Salut tout le monde, c'est FireArts et bienvenue pour cet épisode 6 de Aeronev Mansion Adventure. On se retrouve pour cet épisode 6. Donc la dernière fois on s'était quitté ici, on avait regardé dans le coffre et on avait eu un bloc de bedrock. Alors attendez, je vais vite. J'aime pas du tout quand c'est trop gros comme ça. J'ai de réinstaller le jeu là, alors attendez, c'est dans quoi? C'est ça? Ah oui. Normal. Voilà, comme ça, c'est bien. Voilà. Ok. Donc, on avait regardé dans le coffre. Il n'y a rien. Enfin, si, on avait un bloc de bedrock. Et donc, j'ai pas mis de timer. J'en mets vite un. Attendez, excusez-moi. Voilà, c'est parti. Et donc je disais, on va continuer par ici pour voir ce qu'il y a. Donc là, c'est de ressauter. Bah non, je passe par là. Voilà, j'ai un peu de lag par contre. On va voir ce qu'il y a si on monte sur cet arbre-là. Bon, on peut pas monter dessus, ok. Comment on fait pour sauter sur... Non, ça marche pas ça. Oh là là, j'ai un peu de lag, je m'excuse. Comment on fait pour sauter là? Je ne sais pas. Bon, il y a quoi par là? Alors apparemment, on peut entrer là-bas. Quand même retourner voir ici. J'ai déjà vu dans ce coffre. Oula. Oulala. Mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Une bêtise. Bon. Je suis tombé ici. Bah, tant que je suis là, je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Là déjà, il y a un coffre. Là, de l'or. Ici, il y aura quelque chose à casser. Ah, intéressant. On voit bien d'ici. Par contre, il va faire nuit. Comment je fais? Oula, creeper. Je crois qu'on peut monter là. Attendez, je suis allé voir. Là. Purée, c'est grand là-bas. Donc on va y avoir plein de trucs. Je vais voir ce que c'est ça. Ok. Ça doit être la limite, ça on voit pas très bien. Oh là là, frère, j'ai sursauté. Oh là là, j'aime pas ça. On va tout de suite entrer là. Ah, c'est pas vrai, je suis tombé. Le zombie. Ok,
Allez, crève. Allez. Trois jours plus tard. Voilà. Mince. Purée, j'ai pas. Ah, dégoûté. Bon. Il semble qu'il y ait une explosion. Qu'une explosion est survenue ici récemment. Donc, ici, apparemment, on est entré dans le manoir. C'est quoi ce lag? Je comprends pas pourquoi je lag comme ça. Qu'est-ce que cette contraption? Je sais pas ce que c'est. Tu te demandes qu'est-ce que c'est. C'est une grande salle ou un truc comme ça. Ah. Attendez. On va mettre le disque. Oula. D'accord. Ok. Attendez, on va un peu visiter. Ça fait peur, hein, tout ça. Ah. Save room. On peut sauvegarder ici. Bah c'est ce que je vais faire. Est-ce que j'ai un levier? Ah mince, je peux pas. J'ai pas ce qu'il faut. Ok. Alors, il y a marqué quoi ici? La fontaine doit être érodée et bloquer l'entrée. Ah oui. D'accord. Donc la fontaine doit être on doit casser les blocs quoi. A dû être érodé et doit bloquer l'entrée d'ici avec du. Et a bloqué l'entrée avec du. Je ne sais plus comment ça s'appelle. De l'argile. Donc ils nous disent qu'il faut le bon objet. Enfin, on a besoin de la pelle en gros pour passer ici. On va voir si. Ah! Ah mince, je peux pas y accéder tant que j'ai pas la pioche. Génial. Qu'est-ce qu'une fontaine fait à l'intérieur? Est-ce que c'est un coffre? Tu as besoin d'une amélioration avant de pouvoir casser le bloc de mousse. Enfin, en gros, on a besoin de la pioche en diamant. Et prendre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est joli, hein. Je vais voir ce qu'il y a à l'étage. Oh là là, j'ai du lag. Oh! Oh géant! Géant, on a trouvé les pioches en diamant. Trop bien. Ok. Donc on va mettre ça comme ça. Ça n'a pas besoin. Génial. Ah bah ça va beaucoup. Ça va beaucoup nous aider.
Donc, objet obtenu. Ok, donc. Tu reviens en arrière? Bien, j'ai beaucoup de choses à te dire. Oh, tu es venu dans la tombe. Tombe. Tombe, je suppose ça veut dire ça. Tu n'as trouvé personne. Et rien du tout. Et enfin, tu n'as rien trouvé ici, quoi. Bienvenue dans mon manoir. Je ne suis pas sûr que tu vas arriver à tes fins en étant ici. Tout est comme ça l'a toujours été. Je protège la ville des forces maléfiques. Et maintenant. Et déjà, je continue. Et je continue encore à être blamed, accusé, enfin. À être blâmé pour ça. Un jour, ils apprendront. Bonne exploration. Je ne peux pas te retenir. I want. Je ne peux pas te retenir, mais sois prudent. Tu pourrais trouver plus que ce que tu penses. Beaucoup de ces fenêtres. Field, in, field, in. Beaucoup de ces fenêtres ont été rebouchées. Word, je sais pas. Following. Je comprends pas bien ces phrases là. Bon, bah maintenant qu'on a la. C'était quoi ça? Ah, coffre. Je vais retourner en bas. D'abord, je casse ça. Rien. Ah, il y a un levier. Le levier, je vais le poser ici. Alors. Dès que tu es entré. Dès que tu es entré, tu as entendu comme si une porte, enfin le clic d'une porte, le bruit d'une porte qui s'est ouverte. Bienvenue dans la save room, dans la chambre de sauvegarde, remplie de lits. Un coffre pour sauvegarder ce que tu as. Pour protéger ce que tu as sur toi de tes morts. Ok. Y a un table de craft. Ok. Ça marche.
C'est quoi ces araignées que j'entends? External garden, jardin extérieur. Je ne sais pas d'où ça vient ce bruit. Attendez, je vais voir si j'ai rien oublié. Je suis dégoûté là que je. Je peux pas sortir là. Ah, j'ai loupé plein de trucs là à l'extérieur. Attendez. Y a quoi là-dedans? Un coffre. Ok, un œuf. Oh. C'est quoi ça? Ah non, c'est la poule. Je croyais qu'il y avait autre chose. Merde. Comment je fais là? Je suis bloqué à cause de la poule. Oh, j'y crois pas. Attendez, j'ai essayé. Ah, la poule me bloque. Incroyable ça. Elle me bloquait, je pouvais rien faire. Mais comment ça se fait que j'arrive pas à remonter? Un truc qui me bloque là. Normal ça? Qu'est-ce que je dois faire pour remonter? Comment on fait pour remonter dans l'étoile d'araignée? Je comprends rien. Peux pas. Je vais la casser parce que là je suis bloqué. J'arrive pas à remonter. 3 jours plus tard, la. Voilà. C'est incroyable ça, je peux pas. Mais j'arrive pas à remonter, je suis bloqué. J'essaie de la casser avec ça. Non, ça va pas plus vite, hein. Bizarre, normalement on peut monter quand on est sur une étoile d'araignée. Je ne comprends pas. Ok, eh ben vous savez quoi, on va se quitter ici. Pour ce 6e épisode. J'espère que ça vous plaît, hein, comme d'habitude. Franchement, moi je trouve ça, cette aventure vraiment cool. C'est vraiment bien fait. C'est nickel, franchement. Bravo à celui qui l'a fait. Donc on va se quitter ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et donc on se retrouve très très bientôt pour un 7e épisode. Oui, un 7e. Donc voilà, à la prochaine, bye bye!